Et salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo opening. Donc en gros, Jill a reçu de la part de Woolbox une box League of Legends. Donc voilà, ce n'est pas rémunéré, hein, vu qu'elle, c'est elle qui l'a reçue. Donc voilà, elle ressemble donc à ça et on va donc l'ouvrir ensemble, vu que c'est une box League of Legends. Elle est en vas-y, moi je m'en fous, je peux faire de vidéo là-dessus, etc. Ah, moi je me suis dit, bah attends, moi je suis un youtubeur League of Legends quand même de base. Donc je vais quand même ouvrir cette boîte de League of Legends. Et du coup, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez justement de ce petit agencement avec voilà, la petite caméra avec les figurines, les mangas et tout. Donc voilà, c'est la collection de Jill, hein, comme vous avez pu le voir. Et donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Tiens, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc dedans, il y a un petit papier qui est marqué « Cher invocateur, c'est avec un immense plaisir que nous tenons à t'adresser ce précieux butin confectionné dans les baraquements les plus secrets de Runeterra. Ton engagement et ta passion pour League of Legends sont précieux et nous en sommes très reconnaissants. Tu trouveras 6 juin un présent un peu spécial qui, on l'espère, sera touché l'invocateur que tu es en espérant te croiser à nouveau sur les champs de justice. » Donc voilà, ça c'est marqué ici. Donc là-dedans, il y a donc un petit pot, donc une petite peluche pot, que vous pouvez voir juste ici là. Donc voilà, vous pouvez voir. Ah, la mise à point se fait pas. Non, il faut mettre la main derrière en général. Regarde, tu vois. Putain, mais c'est de la magie ton truc. Oui, pas ça. Attends, voilà. Waouh, stylé, donc voilà, un mini poro, comme vous pouvez le voir, hein, magnifique, voilà, c'est beau. Nous avons aussi avec ceci un pins et un porte-clés, donc voilà, juste là un petit pins poro, encore une fois. Et un porte-clés à Moumou, donc je sais pas exactement si dans les box il y a exactement les mêmes trucs, donc j'avoue que ça j'en sais rien, j'imagine que non. Mais voilà, j'imagine que les porte-clés, les pins, etc., c'est des trucs différents selon les trucs. Là-dedans, j'ai eu... Oh, une box collector. Donc voilà, box collector League of Legends, un petit papier, édition limitée. C'est que ce papier, attends. Mais... Wow, c'est un poster, ok. Donc c'est un poster de League of Legends sur lequel il y a Jace, qui d'autre? C'est écrit en haut, c'est Bard et Madame Porte. Donc comme vous pouvez voir juste là, magnifique poster. Voilà. Que vous pouvez voir juste ici. Voilà. Il y a avec ceci une figurine Gnar, donc champion à la con, hein, vraiment un champion de débile, mais ce n'est pas grave, au moins la figurine j'imagine est stylée. De toute façon les figurines Riot généralement sont assez classe, donc je vais ouvrir ça, je vais regarder un peu, on va les coincer ensemble. Nous avons donc voilà, magie, la boîte est ouverte. Nous avons avec ceci une carte d'authenticité, donc de Riot, qui est juste là. Donc je peux pas vous montrer parce qu'il y a un code qui justifie l'authenticité de celle-ci. Hop, la boîte, on s'en fout. Et nous avons la figurine là-dedans. Donc tiens. Donc, de toute façon, c'est pour elle déjà. Voici la petite figurine Gnar qui nous a été offerte. Ah voilà. Voilà. Donc voilà, la figurine Gnar que vous pouvez voir juste ici, qui était donc dans cette boîte. Avec ceci, j'ai quoi? J'ai. Bon, ça, c'est la truc de tout à l'heure. Et un t-shirt. Et juste là, c'est un t-shirt de qui? On va voir, c'est un t-shirt de qui? Est-ce que c'est un champion que je joue au moins? Je l'espère. On va le mettre en. Parce que sinon, ce serait un peu chiant. Non. Donc voilà, c'est un t-shirt de. Je le vois pas encore. Je vois pas le champion. C'est un t-shirt de. De Thresh. Oh, superbe. C'est un super pyjama du coup. Bah voilà, c'était donc l'ouverture de cette Woolbox League of Legends que vous pouvez précommander je ne sais pas où, de toute façon je m'en fous, c'est pas une OPSP. Donc voilà, j'ai eu un t-shirt sur un champion que je ne joue pas, j'ai une figurine d'un champion que je déteste. Mais c'est pas grave, on est content. Allez, bisous, pouce bleu, abonnez-vous. Jolie quand même. Après la figurine est stylée quand même, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mignon. Ouais, elle est jolie. Oui. Tiens, tu peux la remettre là.